Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Donc là aujourd'hui c'est une vidéo assez rapide juste pour vous dire que ça y est, enfin je suis Star VIP un an. Voilà, comme je vous avais dit, j'attendais les promotions pour me remettre VIP. Donc du coup là comme vous voyez les promotions, bon c'est rien que je vous montre parce que tout je suis déjà VIP. Du coup ça ne me montre plus la page d'avant, mais en gros c'était 55€ au lieu de 75€ pour le 1 an Star VIP. J'ai vraiment mal à mon portefeuille. Et du coup je vais pouvoir vous réajouter en ami, tout ça. D'ailleurs je vais renvoyer les tickets, donc j'avais gardé exprès un ticket VIP d'une personne qui voulait vraiment que je le garde. Mais du coup je vais finalement te le rendre. Alors c'était... Wow. Je vais renvoyer tous ces tickets VIP. C'était Himawari, pardon, qui voulait vraiment que je garde son ticket VIP. Mais du coup je vais te le renvoyer. J'ai envoyé les 4 tickets VIP de Oceana parce que dis donc. Merci beaucoup Oceana, mais franchement c'est trop sympa. Elle a voulu vraiment me faire plaisir. Quand même, ces 4 tickets VIP, c'est l'équivalent de 1 mois. Donc elle voulait m'offrir carrément 1 mois de VIP. Donc c'est super gentil de ta part Oceana. T'es dingue. On va lui envoyer une invitation. Oceana, maintenant je peux parce que je suis VIP. Et je n'ai plus la limite. J'adore son look en plus, magnifique. On envoie un autographe. J'ai quand même la remercier parce que du coup j'avais pas vu ses 4 tickets VIP. On va lui envoyer un message quand même parce que c'est super gentil de sa part. Un petit peu trop gentil même de sa part. Un petit ticket VIP, j'aurais compris. 4 tickets VIP, là faut m'expliquer. Je vais dire coucou, merci beaucoup. Je t'ai renvoyé les tickets. Vu que je suis VIP. Merci quand même, hein, quand même, elle est dingue. Hein. Et une ouf. Je t'ai envoyé une demande d'amis, voilà. Donc franchement, elle est dingue. Pourquoi c'est comme ça? Ça bugue ou quoi? En tout cas, voilà, franchement, je m'y attendais pas. Ça, je le découvre en vidéo. Elle est dingue, elle est vraiment dingue. Voilà, donc en gros, je suis, j'ai pris un an, donc du coup, j'ai mon petit boonies magnifique. Donc je suis contente parce qu'en fait, dans ce pack-là, le boonies me plaisait quand même vraiment beaucoup. J'aime énormément aussi le pack-là, surtout à cause des petites fumées là avec les petites citrouilles. Franchement, je trouve ça trop choupinou. Et du coup, j'ai le pack complet, hein, forcément. Vous pouvez aller le voir dans mes affaires hein, si vous ne me croyez pas. Mais du coup, voilà, un an Star VIP, c'est reparti. Je voulais aussi profiter d'être dans cette vidéo pour vous dire également que normalement, vous vous rappelez, je vous avais parlé en live que j'aurais aimé avoir un nouveau compte où je fais que des trucs creepy. Genre des looks un peu goth, un peu rock, un peu dark, un peu voilà dans ce style plutôt voilà sombre, etc. Et que finalement je ne vais pas le faire, je me rétracte puisque tout simplement avec l'arrivée de MSP2, comme je vous avais dit au début quand il parlait que voilà il y aurait une mise à jour machin, etc. de MSP, je ne pensais pas que ça allait être aussi une bombe pour moi cette information. Et du coup, je préfère attendre avant de remettre un compte VIP. Je préfère attendre de voir comment va fonctionner Movistar Planet 2. Je pense que vous comprenez. Et du coup, bah, il n'y aura pas de nouveau compte. Et du coup, je vais rester du coup avec Quinzel YouTube. Chose que de toute façon, je ne l'aurais pas abandonné. Sachez-le, c'est juste que voilà, je voulais m'investir un petit peu sur un nouveau compte. Ça m'aurait fait un petit peu plaisir. Mais finalement, on va attendre. Hein. Même si je pense que c'est pas tout de suite la sortie hein, du MSP2. Hein. Bon bah écoutez, sur ces informations, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous, ciao.